Tabasco ce soir. L'entrée au port et kiosque service, c'est fait. Après, on vient à l'immigration. Retour au Tabasco, fin de journée, 17h30. Ben, j'ai fait tout l'administratif mais dans la matinée même. Hein. Après, j'ai traîné. La journée est passée. Et là, retour au Tabasco pour une bonne nuit de sommeil entière. J'espère. Qu'est-ce que ça va faire du bien. Ici, l'activité est incroyable. Incroyable. Ça vidange, ça vidange. Petit matin, eh oui, parce qu'il est 7h30 là quand même. Après, il fait très chaud et puis j'ai une tonne de choses à faire. On sort le bateau demain matin. On va avancer un petit peu la sortie. Donc, il faut que je speed. Il y a du boulot à faire. Là, entre autres, les pleins de gasoil, le complément de gasoil, quoi, en bidonnant. Et finir la vidange, bon, et puis mille et une autre chose. J'ai une to-do list. On va pas la lire. Ça serait rébarbatif. Mais c'est comme ça. C'est la belle vie en bateau. Alors là, je te vois, tu vas sur ton clavier pour me poser la question, me laisser un commentaire. Et ça, c'est très bien de laisser des commentaires. Au moins, ça permet des échanges. C'est pour ça que cette chaîne existe, pour que nous échangions et nous rencontrions. Bref, que disais-je? Tu me poses la question, mais Pierrot, dis-nous en fait combien de temps, combien de fois par an, ou à quelle fréquence fais-tu tes vidanges? Enfin, je vais arrêter la musique complète. Parce qu'après, je vais avoir... Les fréquences recommandées, je crois, sous toute réserve, parce que j'ai un peu oublié tout ça, c'est 250 heures ou une fois par an. Moi, je ne les ai sûrement pas faites, les 250 heures. La dernière fois que j'ai fait la vidange, ben, j'ai regardé, je ne l'ai pas marqué, mais je crois que c'était au Lamine Loge, donc il y a un an, ouais. Mais là, je fais la vidange parce que je vais sortir le bateau 3 mois. Eh oui, 3 mois. Et laisser en fond de carter ben, une huile usagée, puis la remettre en œuvre dans 3 mois et tout ça, c'est pas bon. Enfin, c'est pas bon, c'est pas la fin du monde non plus, mais moi je préfère laisser une huile propre au fond du carter, comme ça, voilà. Et tout va bien. T'as compris le coup. Ouais, là, je nettoie la meuleuse, là, parce que j'avais pas encore pris le temps de le faire. Parce qu'à Kourou, je m'en suis servi, j'ai fait un truc sympa. Je te montre. Ça se passe dans la salle de bain. Moi, j'ai ouvert une trappe, là. Ça fait des années que je veux faire ça. Ça, c'est la trappe moteur pour aller changer le filtre à huile, après. Et là, derrière, c'est creux. Tu vois, et on y accède par ici, en ouvrant là, et tout au fond, là-bas, là, derrière. Alors, j'y casse des trucs, mais des fois, j'arrive pas à aller les chercher, c'est casse-pied. Et ça fait longtemps que je veux ouvrir une trappe. Donc à Kourou, ben, ils vendaient ça parce qu'ils mettent beaucoup ça dans leur pirogue de pêcheurs là. Et tu vois, voilà, comme ça j'ai accès. Regarde, j'ai mis 2 bouteilles de 10 litres là. Et bon, il y a des tas de trucs. Voilà pourquoi je nettoyais la meuleuse. Allez, on y va. Aujourd'hui, grand jour, on sort Tabasco. Direction la Dart du chantier Pic, ici, à Chaguaramas. Chaguaramas, c'est là-bas que ça se passe. Là, on voit un petit peu la densité au mouillage. Il ne faut pas se manquer, il y a beaucoup, beaucoup de bateaux. Là, on a le capitaine de l'Eden, le Stéphane. Allez, au revoir, hein. Ok, merci. Bon, mon ami, je me souviens plus ton nom. Une arrivée tout en douceur parce que je n'ai pas de marche arrière vu que j'ai une pale fixe. Voilà, c'est du super boulot. Regarde, ils étaient 4 à l'accueil. Je suis pris dans les amarres au centre. Voilà le chantier, enfin chantier. Ouais, je sais pas comment on appelle ça. C'est Pic Yacht Services. Come over, buddy. Voilà. Thank you, man. Thank you. Quelques annexes, comme tu peux voir. Des petites constatations, comme ça au passage, quoi. Ici, c'est l'aire de carénage. Une fois que ton bateau est dehors, bon, on va le voir. Il y a un monsieur qui nettoie ta carène. Alors, ben, il n'y a pas de fosse de récupération des eaux de carénage pré-Karcher, comme c'est la norme chez nous, en France et en Europe. Mais en revanche, quant au respect des règles, mais pas au respect des règles, quant au respect des bateaux, de la clientèle, voilà. Mais concernant les sangles de la grue, il y a du plastique tout autour et elles sont très propres. Ils ne les laissent pas traîner par terre. Ils les changent en fonction de la dimension du bateau, bien sûr. Et ils doivent changer le plastique assez souvent, ce qui fait que toutes les coques restent propres. On voit qu'au niveau personnel, là, ils sont 6 et il y a le plongeur qui a plongé, on l'aperçoit là, pour vérifier que les sangles soient bien passées au bon endroit. Et voilà, il est dans les sangles, il décolle. Ça va être la grande surprise, la dernière fois qu'il est sorti de l'eau, qu'il a pris l'air, c'était en décembre 2022, à Dakar. Et depuis, je gratte, je gratte, je gratte, quand je peux, en fonction de la qualité de l'eau, de l'endroit où l'eau se trouvait.
on a le closure. Et... Yes, man. Thank you. Pendant cette petite pause, je vais t'expliquer ce qui m'arrive. Nous sommes vendredi, midi, enfin, non, il est 11h, et je pars en avion, je rentre en France, donc jeudi prochain, vendredi, le 5. Et ce matin, j'ouvre mon sac, je vérifie, je check un peu l'intérieur, tout ça, et ma pochette de documents administratifs avec les entrées sorties d'ici, parce qu'on a beaucoup de documents administratifs à remplir, même ici pour le chantier, pour mon départ d'avion quoi, ben, elle n'est pas dans mon sac. Je suis très étonné, je suis certain de l'avoir laissé dans le sac, parce que pour le remplir et avoir du réseau, ben, je dois aller à terre, donc j'étais à terre la dernière fois, avant-hier, quoi. Hier je ne me suis pas soucié, pour moi c'était dans le sac, ben, je l'ai partout, elle a disparu. Donc plus de passeport, je pars dans 4 jours, on est vendredi. Donc il me faut à tout prix une attestation, un nouveau truc administratif, quoi, de la douane d'ici, de l'ambassade de France. Attends, on repart après. Juste pour voir l'état du bateau. Ah, c'est pas si terrible. Hein. Il y a juste ces petits coquillages là, récents. Il est pas trop sale, il y a juste des petits coquillages comme ça. Alors on voit toutes les couches, il y a une couche, la blanche, c'était il y a longtemps ça, dessous. Après il y a une bleue, et puis la rouille. Il est par terre, il reste une... Ah ben j'avais bien gratté avant de partir, c'est le temps de moi. Où est-ce que je vais gratter au Brésil? On partir du Brésil. Ici, la dame qui gère les sorties, les arrivées, tout ça, qui s'appelle Ivana, parle français. C'est très pratique pour nous. Elle est très efficace et très gentille, attentive. Et là, elle m'a dit, revenez à 13h30, on appellera l'ambassade. Si d'ici là, vous ne les avez pas retrouvés. Donc j'ai une chance de le retrouver, c'est le bar où j'étais allé pour remplir les documents la dernière fois. Et voilà. Elle me dit, il me semble trop probable qu'on vous les ait dérobés dans le sac. Quoi. Moi aussi. Que je les ai fait tomber, c'est pas possible. Je les ai oubliés quelque part. Ce qui me semble bizarre, c'est que bon, j'ai fréquenté 3 endroits. Le chip, le bar, je me répète. Et ici, ils n'y sont pas. Au chip, le chip, il est dans la structure de ce port à 7. Et le bar, peut-être le bar, il y a un serveur qui les a trouvés sur la table, il les a mis sous le tiroir caisse, comme ça, en disant on verra bien, et puis ça. Et puis c'est là-bas depuis 2 jours, depuis avant-hier. Je croise les doigts. Ça, c'est l'arrivée du chantier, l'entrée, quand on arrive par la route. Donc je suis allé, pendant la pause, ils m'ont laissé Tabasco dans les sangles là-bas, et c'est la pause entre midi et 1, à 1h, ils mènent donc le Tabasco sur son verre, et moi j'en ai profité, ben, je suis allé, il y a une pièce, ils appellent ça l'internet café, mais bon bref, j'étais allé un peu voir comment ça se passait, et je m'étais posé pour remplir les documents, pas de pochette, une petite épicerie, je vais faire le point à la petite épicerie, pas de pochette, je vais chez le chip, le boss du chip, très sympa, celui qui m'a servi hier, j'ai acheté différentes petites fournitures, on refait le tour du magasin là où on était allé ensemble, c'est lui qui m'avait servi hier, pas de pochette, il me reste une chance, c'est le bar qui est dans ce chantier voisin du chantier où je suis, qui s'appelle Powerbot, et où il y a un bar restaurant assez sympa, et j'y vais et là ils me sortent ma pochette, pop, écoute-moi, j'ai retrouvé mon passeport et tous les documents administratifs. Quelle chance. I can sell me. Et là, donc, je reviens sur notre chantier et il y a la très charmante hôtesse d'accueil. Hey, how are you? I'm okay. What is your name? Fiona. Ah, Fiona. It's a sweet name. Thank you. Et voilà, et Fiona qui nous accueille tous les jours. Thank you very much. You're welcome. Thank you. Et voilà, on rentre dans le chantier. Là, par là. Et donc, voilà, je ne sais plus où j'en étais, mais bon, j'en étais là. Je récupère, tordu ma casquette. Je récupère tous mes documents au bar, ils sont sympas là, oh, tous ces jeunes, vraiment. J'ai payé la tournée, évidemment, c'est le moins que je puisse faire. Et je suis trop content, ben,
Morale de cette fâcheuse histoire, il faut que je fasse vachement... Oui, ben, je les avais oubliés là-bas. Je les ai oubliés. Avant-hier, j'ai rempli mes documents, tout ça. Et puis, je suis parti. J'étais certain de checker la table. C'est tellement important. Eh ben, même pas. Ou si je l'ai fait, je l'ai mal fait. Je suis incroyable. Je suis mon pire ennemi. Mon pire ennemi. Je me déteste. C'est la personne que je déteste le plus sur Terre, par moment, dans ces moments-là, c'est moi. Pas le plus, la seule personne que je déteste sur Terre. Les autres, il n'y a pas de personne. Je déteste personne. Ceux qui m'agacent ou sont méchants m'indiffèrent. Ils sont méchants, c'est tout. Mais moi, je suis... Voilà. Bah, bref. De retour. Nous y voilà. On va aller voir si notre Tabasco a pris la route. A repris la route. Bien que le portique bouge trop, beaucoup trop, il faut rajouter des jambes de force, là ça va pas du tout. Ah, il bougeait moins avant, les petites jambes de force reprises sur les balcons, ben, elles se desserrent tout le temps. J'ai quand même pris cher quelques fois là, sur le voyage, et voilà, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Ou même le support moteur. Alors là, le Tabasco est calé, et dès que tu es calé, tu as le chef des techniciens, ils sont deux, Marcus et Greg, là c'est Marcus, qui est venu, qui se présente et qui dit, voilà, est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Moi je fais le lien avec les professionnels du secteur, donc tu lui dis, bah, il vous faudrait ça, il vous faudrait ça. Donc là, il y avait ce monsieur qui est le spécialiste des safrans qui vient, parce que j'ai un peu de jeu sur le safran. It's just a play, and the play is in the bearing, in the motion, okay. I don't have issues with that. It just makes noise when you're sleeping in somewhere, like a marina. Is it just the lonely problem is not for me a problem. Tu as un double lit ici ou bien c'est l'avant qui est le... Les deux, je change. J'ai un double lit ici et un à l'avant. Un double à bâbord. À l'avant, c'est la pointe. Et là, pareil, c'est toute la cabine arrière, les grandes comme ça. Ah, d'accord. Okay, mais right. Je n'ai jamais entendu hein, la nuit. Non. Okay. Donc déjà, je ne vais jamais dans une marina. Mon voyage, ce n'est pas des marinas. Yeah. Je suis qu'au mouillage, au mouillage. Yeah. Donc, mais au mouillage, j'ai rien entendu. Et à la barre, je le sens pas du tout. Hein. Non, parce qu'une fois qu'il est plus... Ouais. Si tu me dis que... Moi, c'est la sécurité qui compte. Si ça n'a pas de problème de sécurité, ben, merci beaucoup. Okay. Ça va rester comme ça. Cool. Sympa. On se voit. Ciao. Check my hand. Ciao, ciao. See you. Ciao, ciao. If I pay at the right time, I will go coming up for our boat anyway. Sounds good. Alors voilà, ça se passe comme ça. On continue avec Marcus à faire le tour, je t'expliquerai. Mais voilà, il y a les deux boss qui s'en vont là-bas. C'est impressionnant comme organisation. C'est rodé, ça roule, ça tourne. Les boss viennent, ils t'expliquent tout. Là, donc, ils nous disent ce qu'il faudrait faire pour ton bateau, ben, c'est un sablage. Et puis après, deux couches d'époxy et deux couches d'antifouling. Et évidemment, ils nous disent, c'est un peu bêta de mettre directement l'antifouling là-dessus. Si ça ne va pas tenir, à certains endroits, quoi. Il faut tout. Et je suis d'accord avec eux, il faudrait un peu le bichonner au bout de... Là, ça va faire 2 ans, quoi, et tout. Alors, il y a ça, il y a mon safran, le rudder. Rudder, ils disent. On va poser ça là. Qui gansaille, comme on dit chez moi, un petit peu. Tu vois. Mais ça, c'est pas du tout grave pour la sécurité. Ça n'abîme pas le tube de Jaumier. Et une fois qu'on est sous voile, il se cale, il bouge plus. C'est juste dérangeant, il y a le professionnel qui est venu du safran là. Il me dit tu es gêné au port. Au port quand il y a la marina, ça claque, où est ta cabine ou quoi? Alors, j'ai pas rigolé parce que peu cher. Mais je lui ai dit, non, bon, au port déjà j'y vais jamais. Et la cabine, je dors juste au-dessus et je l'entends pas, le safran qui claque ou quoi. Je lui dis mais est-ce que pour le danger, ça peut abîmer, endommager? Il me dit non, pas du tout. Bon, le problème de mon hélice, ben, on le voit là. Normalement avec la gravité, je l'ai déjà expliqué, voilà, ça tombe tout seul. Ça fait que quand la pale est comme ça et que je mets le moteur en marche, brrr, c'est bien. Et puis dès qu'on se met sous voile, paf, elle se met comme ça et elle n'offre aucune opposition au flux. Mais le problème, c'est que celle-ci, eh ben, elle est toute très très dure. Donc elle ne le fait pas, elle reste bloquée comme ça. Donc elle me fait tourner l'hélice, elle me fait tourner l'arbre d'hélice et tout ce qui va avec. Et surtout... Pour aller en marche arrière, quand on bascule en marche arrière, paf, elle se met comme ça, normalement, et on part en marche arrière.
Et ben là, ça le fait pas, donc j'ai plus de marche arrière. Ça fait un bail que j'ai pas de marche arrière. Plus de, je sais pas quoi, 2 ans ou... Alors on peut très bien s'en sortir sans marche arrière. Tant qu'on va pas dans les marinas, donc la marche arrière, je m'en fous un peu. Mais bon, c'est ballot. Et donc cette hélice, qui est une kiwi propre, elle m'a gonflé, quoi. Moi, ça m'a gonflé parce qu'on l'a vu à Dakar quand j'avais caréné. Eh bien, ça avait fait déjà le même truc. On avait changé, on avait mis la pale jeune, la nouvelle. Et ça l'a refait. Bon, je sais pas si c'est la même, évidemment. Et deuxièmement, ben, franchement, ça n'a pas le même rendement au moteur. Au moteur, alors je sais pas si c'est parce qu'elle est coincée dans le mauvais sens ou quoi, la pale, au moteur ça le fait pas du tout. Hein. Alors là je vais bien repérer, alors je sais pas si je vais pas revenir de France avec l'hélice, parce que je l'ai l'ancienne hélice, mais pas à bord, parce que j'ai pas beaucoup de place à bord, et je veux pas tout garder et tout, j'avais dit non, cette hélice est neuve, elle est dans le jardin l'autre hélice. Et tant je reviens, mais celle-là je la bazarde et je fais un test pour voir avec le moteur, parce que franchement au moteur je me traîne avec cette hélice. Alors on me dit ouais c'est le pas d'hélice, change le pas d'hélice ou quoi. Ah. Chacun est conseilleur, mais tu peux pas toi-même régler le pas d'hélice. Ben si, Pierrot, mon copain, il l'a fait, moi je l'ai fait. Eh ben très bien, ben bravo. Mais si tu es sensé, raisonnable ou quoi, tu es pas pro, tu vas toucher le pas d'hélice, c'est ici que ça se passe. Hein. Un truc comme ça, je sais même pas où c'est, parce que moi je suis pas pro. Non, c'est là la butée aussi. Voilà, la butée. Voilà, c'est plutôt là, je crois. Mais si tu varies là, la butée d'une hélice et pas l'autre, c'est foutu, hein. Ça va se mettre à trembler, ça va encore moins avancer, c'est la grosse galère. Et pour le rattraper, après, bonjour. Parce que quand on te vend une hélice comme ça, oh, je suis bavard aujourd'hui, le fournisseur qui vous propre, qui sont des gens très très bien, attention, moi, je n'ai rien après eux, hein. J'en ai un peu après le produit. Les fournisseurs sont des gens très bien, ils m'ont demandé toutes les caractéristiques du bateau, et ils ont réglé le pas en fonction du bateau, pas de problème. Ah, j'ai toujours pas mangé le moins 3 heures de l'après-midi. Voilà, tu sais tout, ou presque, donc hélice. Et puis aussi, on va voir ça. Donc ouais, j'en ai parlé quand ils ont emmené le bateau. Et aussi, donc définitivement, je pense que ce portique, il faut mettre des grosses jambes de force. Oh pétard, mais il a cassé là-haut. Ah, mon Dieu, je le vois d'ici. Ça y est, il a cassé en venant. Bah ouais, c'est réglé. Il faut qu'il intervienne. Waouh, j'espère qu'ils peuvent le faire à poste. Il a cassé là-haut. Regarde, tu vois le bout, c'est les bras, le col bleu, rouge. Celui-là c'est cassé. Voilà, il y a du boulot. Il y a un peu de boulot quand même. Quoi. Allez, on va boire et manger un coup. C'est parti. Alors je suis avec Stéphane. Stéphane qui est venu boire le coca. Et là il y a un beau bateau qui passe. Tu le reconnais ? Il n'a pas de nom, mais il est au moins aussi connu que le Tabasco. Ah, c'est un sacré machin. Hein. Il est beau. Hein. Sacré machin. Monte si tu veux. Ah, on a la même journée. Dans la même journée, Tabasco et Sagar Rani, c'est rigolo. Et voilà, il a dit le nom. Comment il s'appelle ce bateau ? Sagar Rani. Et voilà. Et là-bas, il y a le proprio, à savoir le Jonathan qui marche à droite là-bas. On a discuté, très sympa. C'est un garçon de nature peinture, il se prend pas le chou, il a tout compris. Le portique, parce que ben, le portique, très, très mauvaise surprise. Je te montre ça. Voilà, cassé. Derrière, donc là, cassé. Et le balcon, là, cassé. Ça, c'est la surprise. Et j'ai vu ça en arrivant, quand le bateau était sur la remorque et qu'il roulait là, l'arche derrière, le portique faisait droite-gauche, c'était impressionnant. C'est là où il a dû finir, c'est là où il s'est fini, je pense. Je rigole, mais bon non, mais ça va être des frais, ça va être gros frais. Demain matin, le technicien vient, et il devait venir aujourd'hui, je ne l'ai pas vu, et on va discuter de tout ça, peut-être rabaisser... tous les panneaux solaires, garder la même surface de panneau, mais pas aussi haute que ça, parce que ça fait trop de ballon. Et pour ce faire, le bossoir, là, faire un bossoir droit comme ça. Moi, j'avais voulu garder ces bossoirs en S inversé là, pour pouvoir relever l'annexe au maximum en hauteur. On le voit là, d'ailleurs, là, sur le double palan, ben, je perds entre l'œil, là, du dynéma et le sommet. En haut, là, la manille, ben, il y a quoi, là, il y a bien 40 cm. Perdu pour remonter, mais en même temps ça touche presque là-bas,
Et moi, en navigation, ben, on le voit, je le mets ici à la hauteur pardon, du banc de cockpit. Comme ça, ça fait une sécurité en plus. Si je tombe en arrière, ben, je tombe dans mon annexe. Et le centre de gravité est moins haut, donc ça fait moins de ballon. Mais bon, tu me diras, ce qu'il y a là-haut. Alors, si je mets un bossoir droit comme ça, on peut rabaisser tout ce grand, cette grande plateforme de 4 panneaux solaires et supprimer ces jambes-là de chaque côté, enfin les rehausseurs. Donc on va voir ça avec l'artisan, puis je veux qu'il me le check complet quoi, sur les autres soudures. Parce que si c'était arrivé en mer, cette casse-là, ça aurait pu être avec de très très fâcheuses conséquences. Ben, j'aurais pu perdre tous mes panneaux et toute l'installation quoi. Ça c'est pas cool.